Sierra, vous êtes autorisé vers 1600 pieds, cependant je vous demanderai de faire... Ok, maintain 260 degrees, maintain 260 degrees. Et maintain 1600 feet, your position now is 7 miles from the runway. Do not wait back for the instructions, maintain 260 degrees at 1600 feet. On peut les serrer... Set your gyro compass on funnel approach and the flaps and speed at your own discretion. Stand by for descent. Correct now 10 degrees right 270 degrees. And begin your descent at 500 feet per minute. Begin your descent 500 feet per minute. You're now over Robo Easy Mark. 270 degrees. 270 degrees. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le commandant Donald Parkson vous souhaite la bienvenue à bord de l'Étoile d'Argent. Nous allons survoler l'Atlantique sans faire escale à environ 20 000 pieds pour atterrir à Londres vers 6 heures du matin, heure de Greenwich. Vous pouvez maintenant défaire vos ceintures de sécurité et fumer si vous le désirez. Mademoiselle, s'il vous plaît. Que puis-je pour vous, madame? J'ai trop d'air. Cela tombe droit sur moi. Et comme je suis sujette à des névralgies faciales... C'est très simple, madame. Il suffit de détourner l'aérateur dans ce sens. Comme cela, voyez-vous? Oui. Êtes-vous confortable à présent? Parfait. Merci, mademoiselle. C'est la première fois que je prends l'avion, vous comprenez? Et traverser l'océan la nuit... Je comprends, madame. Mais n'ayez aucune crainte. Avec cet appareil et le commandant Parkson comme chef de bord, vous ne risquez rien. Absolument rien. Je vais aller faire du café. Oh, quelle excellente idée. À tout à l'heure. Oui. Tout va bien, monsieur. Ok. Je dors déjà. Je vous en prie. Vous n'en ferez pas autant? Quand je suis de vol de nuit, je dors dans la journée. Je préfère encore un lit aux excellents fauteuils de la compagnie. Il n'y a pas à se plaindre. On n'est pas trop serré. En hiver, c'est souvent comme cela. L'avion n'est qu'à moitié plein. Tant mieux. Enfin, je veux dire, tant mieux pour les passagers. À propos, vendrez-vous du cognac et des cigarettes? Oui, monsieur, demain matin, après le petit déjeuner. Une heure avant l'atterrissage. Excusez-moi, je vais préparer du café. Je vous en prie. Alors, Anne, déjà au travail? Comme vous voyez, commandant.
Qu'est-ce qu'on trimballe ce soir? Un patronage en excursion? Non, des congressistes, je crois. Quelques-uns ont eu du mal à franchir la passerelle et une bonne moitié ronfle déjà. Un type m'a interpellé au passage. Il s'étonnait de ne plus voir de lumière. En apprenant que nous survolions l'océan en ligne droite vers l'Europe, il a bougonné que la compagnie risquait la peau des voyageurs pour économiser un petit déjeuner. Ça vous étonne, Donald? Ah, nous avons une passagère qui n'avait encore jamais pris l'avion. Quand vous en serez comme moi, à la 1001e traversée, vous serez étonné d'apprendre qu'il y a encore des gens qui n'ont jamais pris l'avion. Salut, Duchessane. Y a du café? Dans 5 minutes, monsieur le navigateur. Je vous l'apporterai. Tout va bien, Tom? Oui, commandant. Bon. Je vous rejoins dans un instant. Ouais, d'accord. Pourquoi vous appellent-ils tous Duchessane? Parce que je sais toujours garder mes distances avec les passagers, tout en étant aimable, paraît-il. Et vous, Donald, pourquoi vous appelle-t-on Vénard? Parce que j'ai de la veine, parbleu. Alors, si vous êtes un Vénard, pourquoi ne serais-je pas une duchesse, hein? Vous savez, Donald, je regrette beaucoup que ce soit votre dernière traversée. Et moi, donc? Mais je connais quelqu'un qui en est très heureux. Peggy, j'imagine. Eh oui. Bon, je me mets à sa place. Jamais je n'accepterai d'épouser un pilote. Aucun pilote ne pourrait y prétendre. Dites donc, Al. Depuis quand les ingénieurs mécaniciens ont-ils le droit de vider les sucriers? Mais pour croquer du sucre tout à l'heure, ma toute belle, sinon je m'endormirai. Quand même. Ah, nous ne sommes pas encore mariés. D'autant plus qu'en dehors de l'uniforme de la compagnie, la seule chose qui vous aille est un manteau de bison. Cessez de me taquiner, vous êtes insupportable. Alors vraiment, Parkson, c'est votre dernier vol? Eh oui, Al. La limite d'âge m'a gagné de vitesse. 1001 traversées sans avoir une seule fois frôlé la mort, c'est un bon record, n'est-ce pas, non? Pas une seule fois dans la vie civile, oui. Mais pendant la guerre. Non, là c'est différent. J'ai gagné mon surnom. Et quoi qu'il en soit, j'ai volé pendant 25 ans. D'abord pour la RAF et puis dans tous les coins du monde pour différentes compagnies. Ah, le 21 appelle. Mais sans doute le type qui s'étonnait de ne pas voir de lumière. Maintenant qu'il sait que nous survolons l'océan, il doit être inquiet parce qu'il aperçoit des lumières. Courez le rassurer, Anne. Dites-lui qu'il y a encore des bateaux dans les parages. Mais je m'occupe du plateau. Désolé de vous réveiller, Duchessane. Ne vous excusez pas, je ne dormais pas vraiment. Il ne fallait pas rapporter des tasses. Mais je vais me dégourdir les jambes et j'espérais déposer le tout sans bruit, mais je suis tellement maladroit. Maladroit? Vous? Un ingénieur mécanicien? Mais je n'en crois rien. Enfin, avec tout ce qui n'est pas de la mécanique. Dites donc, les passagers vous ont laissé tranquille? Oui. Depuis une heure, personne n'appelle. Ils dorment. Au poste de pilotage aussi, sauf Parkson. Bon, ce sera une traversée sans histoire. La radio annonçait quelques formations de nageuses devant nous, mais rien d'inquiétant. Avec le pilotage automatique, Parkson pourrait prendre un peu de repos. Oui, Walker, le copilote, lui a proposé, comme ils font d'habitude. Mais cette nuit, Donald a refusé. Et vous pensez sa dernière traversée? Que pourrait-il lui arriver puisqu'il est né Vénard? Est-ce de la veine, ou plutôt une absence de des veines? Ça, il ne le sait pas lui-même. Bill Parkson, son frère, lui, avait de la veine. On les appelait des vernis dans la RAF. Ils étaient dans la même escadrille? Oui, moi aussi. Ah, quel type extraordinaire, ce Bill. Il ressemblait à Donald? Non, pas du tout. Plus jeune, plus grand, plein d'humour. Il avait une façon de cligner de l'œil quand il a prouvé qu'il était impayable. Deux fois, il a frôlé la mort. La première, quand il est revenu avec une partie de son Spitfire en main et son aile en feu. Après avoir fauché plusieurs ailes, il s'est enfoncé dans juste ce qu'il fallait de beau pour éteindre l'incendie. À peine croyable. Non, ouais. La deuxième fois est encore plus cocasse. Ça se passait au-dessus du Pas-de-Calais. Ayant été abattu, il est tombé dans un chalut. Vous voulez dire un chalutier? Non, pas du tout, le chalut. Le filet qu'un chalutier de Grimsby, qui de toute façon n'aurait pas dû naviguer là, était en train de remonter. Puis il a été déversé en hurlant dans une cale pleine de poissons. Pendant 8 jours, il s'est excusé de le hareng. Que fait-il maintenant? Une troisième fois, la mort ne l'a pas raté. Descendu en flammes un matin pendant le débarquement en Normandie. Donald était du même vol. Il a pratiquement vu mourir sans rien pouvoir tenter. C'est affreux. Ouais. Quand Donald a vu le cockpit de son frère passer au jaune vif sous le flot de bille qui recouvrait, il lui a demandé par radio: « Ça va, Bill, y a pas de mal ?» L'autre a répondu: « Je crois que je suis foutu, mon vieux. » Puis il a repoussé son cockpit et il a piqué. Mais ce jour-là, la veine n'était pas au rendez-vous.
pauvre Bill. S'il n'était pas parti, Donald n'aurait pas épousé Peggy. Pourquoi donc? Ils l'ont rencontré ensemble dans un bal du samedi soir. Et ils l'ont courtisé ensemble. Mais Peggy n'arrivait pas à montrer sa préférence. Elle leur plaisait terriblement à tous les deux. Et ni l'un ni l'autre n'aurait demandé sa main par loyauté réciproque. C'est rare. Je vous crois. Le sort a tranché pour eux. Après la guerre, Donald a épousé Peggy. Ils ont deux enfants. C'est la vie. Bon, je m'en vais retourner là-bas voir ce qui se passe. Quelle heure est-il? 1h35. Le jour ne peut pas déjà se lever. Et pourtant, le pare-brise devient grisâtre. C'est curieux, ça. Tiens, des gouttes de pluie. Aurions-nous atteint la zone de dépression plus tôt que prévu? Mais je ne me trompe pas, on dirait une masse blanchâtre là-bas. Un nuage? Les essuie-glaces. Il y a bien quelque chose de blanc devant nous. Je réveille Walker pour qu'elle confirme. Non. Non, d'abord les jumelles. Oh, ben ça alors. Ça. Non. On dirait un oiseau. Les ailes montent et s'abaissent régulièrement comme s'il volait devant nous. Allez, voyons, 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 Donald. Un oiseau volant à cette altitude est plus vite que nous, c'est pas possible. Tu rêves, mon garçon. Mais non, je ne rêve pas. Le projecteur de vol. Oh, que c'est beau, ces millions de diamants qui viennent éclater sur le pare-brise. Ah, pas de doute, c'est un oiseau. Un grand oiseau blanc. Quelle puissance il lui faut pour maintenir sa distance. Ah, ça alors, j'ai rien vu de pareil. Walker. Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir. Non, qu'est-ce qu'il y a, Donald? Prenez les jumelles et regardez dans cette direction. Ouais. Oh, bon Dieu. Un oiseau. Il vient de plonger brusquement. Qu'est-ce que vous faites, Donald? Donald, êtes-vous fou? Qu'est-ce qui se passe? Des gravures? Mais rien, bon, ça va. Je prends les coups, commandant. Oui, mais pas d'appel avant mon cigare. Vous êtes blessé? Oh non, je n'ai rien, je me suis égratigné en tombant. Walker, allumez le panneau des ceintures de sécurité et interdisant de fumer. Bien. Je crois que quelque chose a heurté la queue de l'appareil. Allez dire à Anne de préparer les passagers à un amérissage forcé. Bon, j'y vais. Commandant. Oui? Je suis en contact radio avec le vol de fret X-1-2-3, se dirigeant vers l'ouest. Ils disent qu'ils viennent de toucher un avion de ligne qui a réussi en piquant à éviter la collision de face. Ils ont des dégâts? Ils pensent que non. Et ils nous posent la même question. Et faites-leur la même réponse, mais demandez-leur de décrire un ou deux cercles à vitesse réduite. J'en fais autant. Communiquez notre altitude, 19 000 pieds. Et assurez-vous qu'ils soient à 500 pieds au-dessous ou au-dessus de nous. On s'en est sorti de justesse, inutile de remettre ça. Au moins, nous ne serons pas tout à fait seuls si nous devons faire un plongeon là-dedans. Pas d'avarie visible, Donald. Et Anne a la situation bien en main. Les passagers? Ils se sont calmés quand elle a menacé de flanquer une raclée à un vieux qui ne voulait pas retirer ses chaussures. Brave fille. Pas de blessés? Ou seulement Anne, une coupure sur le nez. Dommage. Al, tout va bien? Tout va bien, commandant. Navigateur, où sommes-nous? Environ 700 milles à l'ouest de Shannon. Radio, comment se porte notre tamponneur? Il est OK. Bien. Dites-lui que nous reprenons notre cap s'il est d'accord. Puis relatez l'incident à Shannon et demandez-leur de prévoir un atterrissage forcé pour dans 1h15 à peu près. Si tout va bien. Et vous, Duchesse Anne,
Comment avez-vous maîtrisé les passagers? De mon mieux. Avec une bande de sparadrap sur le nez, ce qui me faisait loucher. Pas trop de panique? Ou juste assez pour se défouler ses nerfs. Quelqu'un m'a demandé si nous n'avions pas heurté le sommet d'une montagne. Ce qu'ils vont chercher, non, ce n'est pas croyable. J'ai raconté qu'on avait traversé une très mauvaise poche d'air qui n'avait causé que des dégâts secondaires. Il fallait bien expliquer le piqué brutal. Enfin, quand je leur ai annoncé que j'allais servir le petit déjeuner et que le retard ne dépasserait pas une demi-heure, ils ont été tout à fait rassurés. Dites-moi, Donald, qu'est-ce qui vous a poussé à piquer de la sorte à juste à temps? Vous m'avez réveillé 10 secondes avant, j'ai cru voir un oiseau avec les jumelles et puis on a eu autre chose à faire. Mais, moi aussi, j'ai cru voir un grand oiseau blanc. Allez, pas de blague. Trouvez une autre explication. Mais non, Walker, je vous assure. Enfin, je suppose que ma veine habituelle m'a servi encore une fois. Ah, ça vous aura été fidèle jusqu'au bout, Donald. Puisque vous voilà redevenu un rampant. Mais oui. Vous êtes tous bien chics de m'avoir offert cette petite réception pour fêter mon dernier vol. Je ne m'y attendais pas. Vous ne pouvez pas vous laisser partir comme ça, Donald. Et puis, on vous regrettera. Un regret réciproque, mon vieux, oui. Et je vais le dire à l'équipage en quelques mots parce qu'il va falloir que je filme. Avec ma vieille Austin, il me faut bien 2 heures pour rentrer et Peggy a sûrement hâte de me voir. Vous habitez au bord de la mer, je crois, hein? À 30 yards de la plage. On entend les vagues rouler les galets au bout de notre pelouse. Mmh. J'espère qu'un jour, vous serez de repos, vous viendrez me surprendre. Encore une tranche de cake, Donald? Et non, merci, ma chérie. Mais alors une dernière tasse de thé? Je veux bien. Ah. C'est quand même bon d'être chez soi. La pipe au bec, devant un bon feu de bois, les enfants partis jouer chez les voisins. Et toi, Peggy, toi toujours si présente. Comme tu es solennelle, tout à coup. Oh, pourvu que ça dure et que tu ne regrettes pas dans 8 jours de ne plus voler. Ça durera, crois-moi. Donald, tu me caches quelque chose. Oh. Non, tout va bien maintenant, mais nous avons failli passer la nuit dernière. Quoi? Oui, s'en est fallu d'un rien. Un cil de moucheron. Mais quand j'ai téléphoné à l'aéroport, on m'a répondu que tu étais retardé par le mauvais temps. Ils savaient? Bien sûr. Nous avons eu une collision avec un avion de fret. Un peu de casse dans l'appareil et mon gouvernail endommagé, mais on aurait pu y rester. Donald! Mais tu ne l'avais pas aperçu? Non. Si je n'avais pas subitement piqué à fond, brutalement, on le tamponnait de plein fouet, alors... Alors je ne serais pas ici en train de te le raconter. Oh, chérie, c'est affreux. Ta dernière traversée. Et au contraire, ça tient du prodige. On m'a félicité pour mon intuition, mon flair. Ils m'ont offert le champagne. Et j'ai laissé dire. Mais à toi, je peux bien l'avouer. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Donald Parkson qui a pris la décision de pousser violemment sur le manche à balai à ce moment-là. Mais qui veux-tu que ce soit, mon chéri? Alors, tu es fatigué après une pareille tension. Non, je suis parfaitement bien, Peggy. Et je te répète que ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. J'ai obéi dans l'espace d'une fraction de seconde à un commandement, à un message. Un message de quelque chose ou de quelqu'un. J'ai été inspiré. Allons, n'y pense plus. Tu es là, c'est le principal. Bois ton thé, il va refroidir. Je n'y penserai plus et je n'en parlerai plus jamais. Cependant, il fallait que je le dise. Que je me libère. Tu comprends? Oui, je comprends, mon chéri. Mais d'où vient cet oiseau sur la pelouse? Tiens, le voilà revenu. On ne l'avait pas vu depuis 2 jours. Le colonel Brandam dit que c'est un albatros. En effet. Oui, un albatros comme celui... Oh, qu'il est drôle!
Regarde, il a l'air de hocher la tête vers toi et de cligner de l'œil. Il vient dans notre jardin tous les soirs, depuis une semaine. Il n'est pas farouche, tu sais. Les enfants lui donnent à manger. Oh, il s'envole. Oh, quel coup d'aile et quelle grâce. Quelle puissance. Figure-toi que les enfants le surnommaient Bill. Hein? Oh, ça ne te choque pas, mon chéri. J'aurais peut-être dû le leur interdire. Non, Peggy. Non, tu as bien fait. Tu as rudement bien fait.